Et salut à toutes et à tous, c'est Chrono et on se retrouve pour le 24ème épisode de Crisis Core Final Fantasy VII. Donc dans le dernier épisode, on avait commencé le chapitre 10. On était dans le manoir Shinra, on était dans les cuves et tout. Donc Zack s'est réveillé, il a vu Angel et donc il est sorti de cette cuve et tout. Et il a défoncé un scientifique, il a emmené Cloud et on devait un peu fuir Nibelheim libérer le passage pour prendre Cloud et l'emmener. Sauf qu'il y avait pas mal de soldats et tout, donc on a dû attendre la nuit pour pouvoir partir. Et là on est allé aux plaines de Nibel et on a dû affronter, enfin on a dû détruire pas mal de robots là grâce à un fusil de précision ou même les défoncer en combat sur le chemin. Et donc là on est arrivé sur cette plage, mais comme j'ai dit je l'ai arrêté parce que l'épisode était déjà long, il y avait pas mal de scènes. Donc je me suis arrêté là, c'est un endroit propice. Et là on va faire des missions annexes, au moins une. Et j'ai changé d'équipement. Vous allez me dire pourquoi. Vous allez comprendre, donc j'ai mis Brasier Plus, Saut, Cyclonassaut et Gravité. C'est fait exprès, hein, c'est rassurez-vous. Donc on va faire une mission. Bon, pour moi ce sera celle-là, la 10 de 2. Vous allez me dire pourquoi je la fais. Eh ben vous allez voir. Enfin, on va pas vraiment, je vais pas vraiment la refaire entièrement, mais bon, de toute façon, là, je vais faire une petite ellipse pour retrouver ce que je veux et je vous reprends. Donc voilà, c'est l'urne magique et donc il faut des matériaux très précis pour faire ce que je veux faire. Donc là, on va utiliser Saut. Voilà, il fait génial. Maintenant, c'est Brasier Plus. Je crois que ça va être Gravité là. Voilà. Et voilà, il est ravi. Et donc on a le tour de l'urne magique. Ce qui fait qu'on possède vraiment l'urne magique. Alors là, il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai monté deux niveaux, comme ça. Dans l'océan, en fait, j'ai vu pas mal de scènes. Vous pouvez voir, Cloud est à 80%, si ce n'est 80% aussi. J'ai vu pas mal de scènes pour Cloud et si ce n'est. Ça arrivait d'un coup. Alors quand je suis en vidéo, il n'y a rien du tout, et voilà, je fais pas de vidéo, et paf. Tout change, donc on va pouvoir remettre ce que j'aime, voilà. Mon Brasier X, il est où, mon Brasier X? Brasier X, où es-tu? Non, c'est pas ça, il est où, mon véritable Brasier X, là? Ah là, il est là, il est tout en haut. Alors, ça... Ouais. Et le dernier, c'était quoi? Je crois que dans l'âme explosive, je l'ai. Bonus attaque, c'était peut-être bonus résistance. Ouais, bon, on va mettre bonus résistance, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a toute la catégorie de droite. Ouais, il manquera plus que tomber à 100% et l'urne magique 100%, mais rassurez-vous, je vais pas chercher à faire du 100%, à vous montrer toutes les scènes de l'océan, parce que c'est... Voilà, c'est... ça serait un véritable calvaire. Donc là, je vous retrouve dès que j'ai fini la mission. Voilà, vous la connaissez déjà, donc on s'en fout de finir cette mission. Même si je crois que j'ai même pas besoin de finir la mission, mais je vais la finir quand même pour gagner un petit peu encore des niveaux. Voilà. Donc à tout de suite. Voilà, j'ai refini la mission, donc je vais peut-être me faire une mission de Zack Chasmata dans la Suzanne Anonyme. Je vais me faire cette mission-là, je pense, et après on continuera à la quête principale. Et je ferai les deux autres peut-être dans le prochain épisode, je pense. Donc notre source anonyme préférée nous a encore envoyé un message indiquant qu'un trésor serait caché dans les mines de charbon. Vous devrez peut-être dépenser des guilds pour obtenir cet objet, mais si vous avez le temps et l'argent, allez voir sur place. Y'a rien derrière nous, donc on est dans la mine de charbon. Alors voyons voir la zone. Ah ouais, elle est assez grande, mais encore ça va. Y'a pas beaucoup de chemin. Ça fera une petite trotte. Mais ça va. Ah, encore un coffre. Potion X.
Je me demande combien j'en ai de potion X, moi. Des bombos givrés. Et ouais, ça existe. Brazix. Oh, oh. D'ailleurs, ce que je n'ai pas dit et que j'ai oublié, c'est qu'Acuité sert pour les fusions, sert pas mal pour les fusions en fait. Quand vous avez Acuité Maître, ça vraiment, ça, vous pouvez faire pas mal de fusions intéressantes avec. Hein. C'est vrai que je l'ai pas dit parce que j'avais totalement oublié, mais j'avais revu un peu des listes de fusions et j'avais vu qu'Acuité c'est très intéressant. Voilà. Elle a été courte cette mission. Hein. Finalement, je vais peut-être faire les autres. Tant qu'à faire. Deux sanguils. Eh ben. Heureusement que je pétais de thunes. Hein. Je sais même pas combien j'en ai, mais j'en ai pas mal avec tout ce que j'ai fait. Hein. Vu que je l'ai pas trop dépensé. Elle va mourir avant que je sache comment elle a eu mon adresse. C'est sûr que là ça avance pas beaucoup là. Lame explosive que j'ai déjà. Que je me suis faite avec une frappe vitale là et je ne sais plus quel matériau. Ah, ça vaut le coup. Je ne peux pas vous dire mon nom mais j'ai quelques infos qui pourraient vous intéresser. Sachez que c'est le premier message anonyme que je vous envoie. Il paraît qu'un objet secret serait caché quelque part dans la plaque intérieure. Si un groupe anti-Shinra mettait la main dessus, la Shinra serait bonne pour la casse. Un conseil, trouvez-le avant qu'il ne soit trop tard. Bon allez, on va le faire. Au moins, ça sera fait. Comme ça, j'aurai ce que je veux. Donc, info trésor 5. Elle pense toujours être anonyme et son message indique qu'un trésor serait caché quelque part dans la plaque. Rendez-vous sur place et découvrez comment elle a obtenu votre adresse de messagerie. Alors, voyons voir la zone. Ouais, bon, ça va, parce qu'elle est super courte. Hein. Activating combat mode. Allez, un petit coup de cloud. Eh ben non. 2000. Oh. Intéressant. Vraiment intéressant. Là au moins ils font beaucoup de dégâts mais c'est leur propre force. Ah, attaque plus j'ai attaque plus 10. Ouais. Je vais faire le fou, je vais mettre deux attaques plus hein. Voilà, attaque plus plus. Comme ça je les fusionnerai, ça donnera un truc intéressant. C'est sûr que ça sert pas à grand chose, mais j'ai envie de le faire. Oh, c'est juste attaque plus 10. Enfin voilà. Ah oui, non, là par là, c'est pas bon, c'est que par là. Ok. Ah, 20 potions X quand même. Hein. Et plein de potions. Potions plus, j'en ai pas mal aussi. Ça s'accumule bien ça. Hein. Bracelet de force, mais bon. J'ai beaucoup plus intéressant. Mais ça pourra toujours servir à la fusion de matéria. Hein.
Ah là, il m'a fait pas mal de dégâts. Hein. Je crois qu'il m'a fait une attaque, un coup critique là. Vu qu'il m'a attaqué par derrière. Encore un 7-7-7, et ben. Niveau 33. Hein. Mais comme je vous le répète, j'avais gagné deux niveaux lors de la mission tombée Rimètre quand j'ai refaite. J'ai aussi utilisé une queue de phénix au cas où. C'est vrai que je n'ai pas utilisé la femme là qui me donne sa boisson là. Même parce que j'étais pas mort. Vu qu'elle ne donne pas de queue de phénix, elle donne juste l'altération d'état de vie. Donc faut pas l'avoir pour pouvoir utiliser sa boisson. Là il a failli me tuer hein. Ah bah tiens, ça je l'ai vu en off, mais ça fait plaisir de le revoir. Donc ça c'était une scène qui était dans FF7 hein. Ça c'était dans FF7 donc ça fait plaisir de voir ces petites scènes comme ça hein. C'est ça que j'aime bien dans l'océan, c'est que vraiment on voit des petites scènes comme ça là qu'on ne voit pas dans le jeu hein. Passe à certains moments du jeu mais qu'on ne voit pas. Donc c'est vraiment sympa. Ah, cyclone assaut plus, ça fait des ravages hein. Donc le petit oiseau là. Et... Heureusement que j'ai le réflexe de me soigner, hein, parce que sinon je serais mort. Hein. Là, c'est vraiment du. Ils font vraiment beaucoup de dégâts. Hein. Mais d'ailleurs, j'ai vu que ces missions-là, ça ouvre vraiment les missions de la section 9, de la, de la 9ème catégorie. Et cette catégorie-là, c'est the best, quoi. C'est les missions les plus hard. Je vois pourquoi c'est pas le 10, mais voilà, dans le 10, t'as quelques missions. Très peu. Mais le 9, c'est vraiment le plus hard. Hein. Je m'en rappelle. Et encore, j'ai fait en mode normal. En mode difficile. Ça va faire beaucoup de bien. Et attends une minute, t'es sérieuse? Eh oui, bah mute Fury. Oh, 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 Brasilex infernal. Oh, mais ça me correspond tout à fait. Quelle petite merveille nous avons là. Je m'en délecte d'avance. J'adore ça. Jeter des altérations d'état. Je vais fusionner mon Brasilex pour essayer d'apporter le bonus de magie. Ouais, non, c'est de la merde. C'est de la merde aussi.
Il n'y a pas un gain plus important là? Ah, Brasélix Infernal, où es-tu? Ouais, ça n'avance pas. Bon, c'est pas, on va se faire ça. Ouais, magie plus 9, c'est toujours mieux que magie plus 1. Hein. Bon, ça a pas fait vraiment un truc, voilà, mais bon, c'est toujours mieux. Ah, Brasélix Infernal qui peut lancer les altérations d'état. Qui coûte pas mal de PM, hein, mais bon. Ah, j'ai d'ailleurs acheté des... non, je suis trompé. Acheter des éthers. Voilà, comme ça vous pouvez voir, je suis pété de thunes. Et on va pouvoir faire la dernière mission, enfin, à ne pas rater. Je ne peux pas vous dire mon nom, mais j'ai quelques infos qui pourraient vous intéresser. Et non, je ne suis pas l'auteur de l'autre message anonyme. Il paraît qu'un objet secret serait caché quelque part dans une caverne. Si un groupe anti-Shinra mettait la main dessus, la Shinra serait d'histoire ancienne. Un conseil, trouvez-le avant qu'il soit trop tard. Notre source anonyme semble avoir survécu à une invocation inattendue. Elle nous a indiqué qu'un trésor serait caché dans la caverne. Cela pourrait s'avérer dangereux, mais nous voulons que vous confirmiez l'information. Déjà, il y a un coffre par là. Ah, ils sont trop gentils, là. Ouais, la zone est grande, mais pas tant que ça, vu qu'elle est bien délimitée, donc ça va être assez rapide. Hein. C'est sûr qu'on prend pas mal de temps, mais bon, vous inquiétez pas, on va bien avancer. Ah, zut, goûte à mon Brasélix Infernal. Ah, zut. Ah maman. J'ai peur, oh putain. Ok, bon. Finissons cette mission. Ouais, on va contourner les murs. Je vais pas trop faire les combats, ils sont quand même bien puissants. J'ai pas assez de résistance. Gravité X. Je pense que c'est tout au bout là. Déjà que c'est les monstres qui m'ont bien embêté, mais en plus là ils sont en mode god. Ils sont bien plus puissants. Allez, Bahamut Fury. Bien sûr, il fait très mal. Ok, t'es résistant à la magie. Très bien. Oh, Atomium, carrément. Ah, non, ça va.
Heureusement que j'ai des élixirs. Oula. C'est assez tendu, je dois vous le dire. Elle est facile à esquiver celle-là, ça va. C'est pas évident, hein. Il est balèze. Son atomium est moins puissant que ce que je pensais. Oula, je suis à côté, mais ça m'a pas touché. Supraptonium qui est chiant parce que comme Bahamut, ça fait perdre PV, enfin PM et PA, tous les PM et PA. Mais je l'ai eu, Foudre X, c'est de la merde. Enfin bon, j'ai réussi, c'était pas évident, c'est de l'extrême, c'est vraiment méga extrême là. Mais j'ai quand même réussi. 1. Le Léviathan brille dans toute sa splendeur. 2. Les sources chaudes ne sont pas si chaudes. 3. Une attraction touristique pour tous. Personne ne veut d'un Wutai pareil. Il faut vaincre la Shinra et lui voler ses sous. Cet argent servira au Wutai. Tu vois bien ce que je vois. T'as un sacré numéro quand même. Bien sûr que je suis un sacré numéro. C'est que maintenant que tu le remarques. Dis, mademoiselle, le sacré numéro, où est-ce que tu as eu mon adresse messagerie? Et comment sais-tu autant sur les trésors cachés dans ces endroits lugubres? Tu veux que je te dise la vérité? Oui. C'est grâce à un blond. Un blond? Après la fin de la guerre, un type blond est venu rendre visite à mon papa. Il lui a donné toutes ses adresses et raconté des rumeurs sur des trésors. Ensuite, le blond est reparti, mais mon père ne voulait rien faire de ces informations. Alors moi, j'ai décidé de spammer le soldat. Mais t'es le seul à être venu, imbécile. Eh, ne m'insulte pas, la demi-portion. Je sais exactement ce que je fais. Bon, et ce blond, il s'appelait comment? Si tu veux le savoir, consulte ta messagerie. Je t'ai envoyé un message pour te remercier d'avoir reçu ce monstre pour moi. La messagerie? Ouais, les messages qui apparaissent comme par magie sur ton portable. Allez, regarde. Tu ne veux pas le lire? Non, ça va. Tu crois que je vais me laisser avoir avec un truc qui ne marche pas? Elle pleure encore. Ah, écoute-toi, quoi. Qu'est-ce que je fabrique? C'est juste une enfant. Pourquoi est-ce que je m'en fous autant pour ça? Un blond qui connaît mon adresse messagerie du soldat? Qui ça peut bien être? Les taux se resserrent. Donc voilà, ça n'a pas été évident, mais nous avons réussi. Info. Il paraît qu'il y a un super trésor tout au fond des cavernes. Je t'écris pour te dire qu'il est à moi et à moi seul. Je ne laisserai pas mettre la main dessus. Plutôt mourir. Désolé de pas être très sympa, mais c'est comme ça. Na, bisous, youfi. Là, au moins, elle se cache plus. Ce qui veut dire que ça a débloqué
Voilà, la grande caverne des merveilles. Ça, je le ferai pas, c'est vraiment hard. Hein. Enfin, voilà, et surtout cette... voilà, ici, enfin, ouais, tout est hard, voilà. Enfin bon, j'espère... non, j'ai pas, on va pas finir l'épisode, je sais même pas comment il fait. Attends, je reviens. Ouais, bah si, je vais arrêter là et je vais enchaîner sur, sur un autre épisode. On va bien avancer dans le chapitre 10. Comme ça, là, au moins, il n'y a plus de mission que je ferai en off. Je vais un peu regarder mon équipement. Voilà, c'est pas mal. Ouais. Ouais, je vais remettre encore un truc résistance 40, comme ça, au moins je serai pas embêté. Enfin voilà, on va s'arrêter là. Oui, on n'a pas avancé la quête principale, mais je veux dire, vaut mieux arrêter là. C'est pas mal. Donc j'espère vraiment que cet épisode, voilà, on n'a pas avancé la quête principale, mais bon, au moins ça n'a pas été trop long, parce qu'il restait pas beaucoup de missions. Mais au moins on en a fini avec la Suzanne anonyme et les missions que je voulais faire vraiment en vidéo. On a maintenant tout l'océan, vous avez récupéré tous les panneaux de l'océan, vous avez gagné, vous obtenez bague furieuse. Voilà, et si vous complétez, si je me souviens bien, si vous complétez à 100% l'océan, c'est-à-dire avec vraiment toutes les valeurs à 100%, eh bien vous gagnez je crois le peut-être gang Genji ou je crois un des équipements Genji. Hein, donc c'est un truc assez intéressant. Mais bon, moi, je ne l'aurai pas. Surtout Genesis qui est assez dur à avoir. Vu qu'il apparaît pas souvent. Vu que là, il est plus dans l'océan. Vu qu'il apparaît et disparaît comme ça. Il faut... Voilà, c'est... Il apparaît comme ça. Donc voilà, on va s'arrêter là. C'est sûr, on n'a pas avancé la quête principale. Mais vous inquiétez pas, on va bien avancer la prochaine fois. On va peut-être même finir le chapitre 10. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, je voulais faire ces missions-là. Moi, je me suis... Voilà. Comme c'est pas trop long, ça va. Donc voilà, merci à tous et je vous dis à la prochaine. Donc moi, je vais tourner juste après l'épisode 25. Donc voilà, à plus.